Il était une fois un roi qui avait une épouse dont la chevelure était d'or pur. Elle était si belle qu'on ne reverra plus jamais sa pareille sur terre. Or, il advint qu'elle tomba malade et que, se sentant près de mourir, elle appela le roi à son chevet. Si tu veux te remarier après ma mort, promets-moi de n'épouser qu'une femme aussi belle que moi, et parée de cheveux d'or semblables aux miens. Le roi promit, et bientôt, elle ferma les yeux et mourut. Le roi fut longtemps inconsolable, et il ne songeait pas du tout à prendre une seconde femme. Mais ses conseillers finirent par lui dire que cela n'était pas possible, et qu'il fallait que le roi se mariât pour donner une reine à ses sujets. Des messagers partirent dans toutes les directions à la recherche d'une beauté qui pût se comparer à celle de la reine morte. Mais elle n'avait pas son égale au monde. Et quand bien même il se fût trouvé une princesse aussi belle, il n'y en avait pas qui eût de semblables cheveux d'or. Or, le roi avait une fille qui était aussi belle que sa défunte mère et qui avait les mêmes cheveux d'or. Il jeta un jour les yeux sur elle, et quand il vit qu'elle ressemblait en tout point à son épouse disparue, il pensa « Jamais tu ne trouveras de femme aussi belle, c'est elle qu'il faut que tu épouses. » Et dans l'instant, il conçut pour elle un amour si fort qu'il informa aussitôt ses conseillers et sa fille de sa volonté. Je veux épouser ma fille. Elle est le vivant portrait de ma défunte épouse, et nulle part ailleurs je ne trouverai pareille fiancée. Ses conseillers tentèrent immédiatement de l'en dissuader. Dieu ne permet pas que le père épouse sa fille. C'est un péché dont il ne peut rien sortir de bon. Mais en vain. La princesse elle-même fut épouvantée par ce projet impie, et comme elle était avisée, elle lui dit « Il faut auparavant que vous me procuriez 3 robes. Une d'or comme le soleil, une d'argent comme la lune et une scintillante comme les étoiles. Je veux en outre un manteau fait de 1000 peaux différentes pour lequel chacun des animaux de votre royaume aura donné un morceau de son pelage. » Et elle se disait « C'est tout à fait impossible à réaliser. Il faudrait bien que mon père renonce à son idée. » Mais la passion du roi était si forte qu'il ne renonça pas. Il mit à l'ouvrage les plus habiles demoiselles du royaume qui durent tisser les 3 robes, une d'or comme le soleil, une d'argent comme la lune, et une scintillante comme les étoiles. Et ces chasseurs durent capturer tous les animaux du royaume pour leur prendre à chacun un morceau de leur peau. Et il fut fait un manteau de ses 1000 fourrures. Et le roi fit apporter sans tarder à la princesse tout ce qu'elle avait exigé. Elle se déclara prête à l'épouser le lendemain. Mais elle rassembla dans la nuit les présents qu'elle avait reçus de son véritable fiancé. Un anneau d'or, un petit rouet et un petit dévidoir en or. Quant aux 3 robes, elle les enferma dans une coquille de noix. Puis elle se noircit la figure et les mains avec de la suie, revêtit le manteau fait de 1000 peaux et partit. Elle marcha toute la nuit et parvint à une grande forêt où elle se sentit en sécurité. Et comme elle mourait de fatigue, elle se blottit dans un arbre creux et s'endormit.
Il faisait déjà grand jour et elle dormait encore lorsque le roi de ce pays, qui n'était autre que son fiancé, vint y chasser. Ses chiens coururent droit à l'arbre creux et commencèrent à renifler tout autour. « Allez donc voir un peu quel animal est tapi dans l'arbre !» ordonna le roi. Les chasseurs revinrent au bout de peu de temps. « Il y a un animal bizarre dans l'arbre creux. On n'en a jamais vu de pareil. Il a un pelage entièrement bigarré, fait d'un millier de peaux différentes. Il est couché et il dort. »« Attrapez-le !» ordonna le roi. « Et attachez-le à l'arrière de la voiture. Nous allons l'emmener. » Mais quand les chasseurs voulurent se saisir de l'animal, ils s'aperçurent qu'il s'agissait d'une fille. Alors ils l'attachèrent à l'arrière de la voiture et firent route avec elle jusqu'au château. Tu es bonne pour la cuisine, Milenpo. Tu apporteras l'eau, le bois et tu balayeras les cendres. Et les chasseurs lui désignèrent un réduit aveugle sous l'escalier. Voilà, Milenpo, tu pourras loger là et y dormir. Puis ils l'expédièrent à la cuisine où elle dut aider le cuisinier à plumer la volaille, entretenir le feu, éplucher les légumes et se charger de toutes les corvées. Mais comme elle accomplissait consciencieusement sa tâche, le cuisinier était bon avec elle et l'appelait parfois le soir pour lui donner les restes du repas. Mais avant que le roi n'aille se coucher, elle devait monter et lui ôter ses bottes. Et quand elle en avait retiré une, il la lui jetait immanquablement au visage. Cette vie misérable dura fort longtemps. Hélas, belle demoiselle, que vas-tu devenir à présent? Et puis un jour, il y eut bal au château. Mille et une peaux songea. Si je pouvais encore une fois contempler le visage de mon fiancé bien-aimé tout à mon aise. Alors, Mille et une peaux alla demander au cuisinier la permission de monter un moment pour aller jeter un coup d'œil là-haut et observer derrière la porte toute cette magnificence. « Oui, tu peux y aller, » lui dit le cuisinier. « Mais ne reste pas plus d'une demi-heure. Après, il faut que tu retournes balayer les cendres. » Elle prit sa petite lampe à huile, gagna son réduit où elle enleva sa pelisse, se lava le visage et les mains que la suie maculait, et comme on voit surgir les fleurs au printemps, sa beauté reparut dans tout son éclat. Elle ouvrit la coquille de noix et en tira la robe qui resplendissait comme le soleil. Habillée ainsi, elle monta à la fête où tout le monde lui céda respectueusement le passage, pensant qu'il ne pouvait s'agir que d'une noble princesse. Le roi lui prit aussitôt la main et la mena danser. « Comme cette belle princesse inconnue ressemble à ma chère fiancée, » songeait-il, et plus il dansait avec elle, plus il était frappé de la ressemblance, au point qu'il était convaincu que c'était elle, et se promettait de l'interroger dès la fin de la danse. Mais la danse ne fut pas plus tôt terminée qu'elle se déroba et disparut avant même que le roi eût repris ses esprits. On appela pour les interroger la sentinelle de garde à l'entrée du château, mais personne n'avait vu sortir la princesse. Elle avait couru jusqu'à son réduit, enlevé prestement sa robe, noirci son visage et ses mains et enfilé de nouveau sa pelisse. Comme elle entrait à la cuisine pour se mettre au travail et balayer les cendres, le cuisinier lui dit « Laisse cela, cela peut attendre jusqu'à demain. Occupe-toi plutôt de faire cuire la soupe du roi. J'ai envie d'aller, moi aussi, jeter un coup d'œil là-haut. Mais attention, hein !» « Si tu as le malheur de laisser tomber un cheveu dans la soupe, ce sera fini pour toi. Tu n'auras plus rien à manger. » Mille et une peaux prépara la soupe de roi, une panade, puis déposa au fond l'anneau d'or que lui avait offert son fiancé. Quand la danse eut pris fin, le roi se fit apporter sa soupe et la mangea avec délice, car jamais, à son avis, il en avait mangé d'aussi bonne. Quand il eut fini, il découvrit au fond l'anneau d'or. Et l'ayant examiné, reconnut avec stupéfaction la bague de fiançailles. Se demandant comment cette bague avait pu venir là, il envoya chercher le cuisinier, qui eut grand peur, et dit à Mille et une peaux : « C'est sûrement parce que tu as laissé tomber un cheveu dans la soupe. Oh,
Tu seras battu si c'est le cas. Qui a fait cette soupe ? Demanda le roi. Elle était faite autrement que d'habitude, et elle était bien meilleure. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est Mille et une peau. Va, et dis-lui de monter. Lorsqu'elle arriva devant lui, le roi lui demanda. Qui es-tu ? Que fais-tu chez moi ? Et d'où te vient cette bague qui était dans ma soupe ? Je suis une malheureuse qui n'a plus ni père ni mère. Je ne suis bonne qu'à recevoir les bottes qu'on me jette à la tête et je ne sais rien d'aucune bague. Et Mille et une peau de se sauver. Quelque temps après, il y eut une nouvelle fête et Mille et une peau demanda la permission d'aller regarder comme la fois précédente. Tu peux y aller, répondit le cuisinier. Mais reviens dans une demi-heure pour préparer la soupe du roi, puisqu'il l'aime tant. Elle courut à son recoin, se lava soigneusement et tira de la noix la robe couleur de lune, plus éblouissante que la neige la plus pure. Lorsqu'elle fut parvenue en haut, le bal venait de commencer. Le roi lui prit la main et dansa avec elle, et il ne doutait plus désormais que ce fût sa fiancée, car nul autre qu'elle n'avait pareille chevelure d'or. Mais la danse terminée, elle disparut si prestement que le roi ne put lui adresser un seul mot, et tous ses efforts pour la retrouver furent vains. Le visage et les mains noires, elle était redevenue Mille et une peau, se tenait dans la cuisine et préparait la soupe du roi, tandis que le cuisinier jetait un œil là-haut. Quand elle eut terminé, elle mit son petit rouet d'or au fond de la soupe. Le roi mangea, trouva la soupe encore meilleure que l'autre fois, et quand il découvrit tout à la fin le petit rouet en or, quel ne fut pas son étonnement, car c'était celui qu'il avait offert jadis à sa fiancée. Il appela encore le cuisinier, puis Mille et une peau, mais elle répondit de nouveau qu'elle ne savait rien et n'était là que pour recevoir les bottes qu'on lui jetait à la tête. Le roi donna une troisième fête, en espérant bien revoir sa fiancée, qu'il ne lâcherait plus cette fois-ci. Mille et une peau demanda de nouveau au cuisinier si elle ne pourrait pas faire un tour là-haut, mais il se fâcha tout de bon et lui dit « Il faut que tu sois une sorcière, Mille et une peau. Tu dois certainement jeter quelque chose dans la soupe pour qu'elle soit si bonne et que le roi la trouve meilleure que toutes celles que je peux lui faire. » Mais comme elle le suppliait et promettait de bien se tenir, il lui permit de monter une demi-heure. Elle mit cette fois la robe qui étincelait comme les étoiles dans la nuit. Monta et dansa avec le roi, qui se dit, en la voyant, qu'elle était plus belle que jamais. Il avait donné des ordres pour que la danse durât plus longtemps, et tout en dansant, il glissa un anneau d'or à son doigt. Mais cette fois encore, il ne put la retenir ni échanger un seul mot avec elle, car sitôt la danse finie, elle bondit si vite dans la foule qu'elle avait disparu avant qu'il ait eu le temps de se retourner. Elle courut jusqu'à son réduit, mais comme elle s'était absentée plus d'une demi-heure, elle ôta rapidement la robe sans même prendre le temps dans sa hâte de se barbouiller entièrement la figure et les mains dessus. Un de ses doigts resta blanc. Lorsqu'elle parvint à la cuisine, le cuisinier était déjà parti. Elle prépara rapidement la soupe du roi dans laquelle elle mit son petit dévidoir d'or. Le roi le trouva, comme il avait trouvé l'anneau et le rouet. Il était désormais sûr que sa fiancée était tout près, car nul autre qu'elle ne possédait semblable présent. On appela Mille et une peau. Elle tenta de se sauver, mais comme elle bondissait pour s'enfuir, le roi vit son doigt blanc. Alors il lui prit la main, la retint fermement, et aperçut l'anneau qu'il avait secrètement passé pendant la danse. Le roi lui arracha son manteau. Les cheveux d'or s'échappèrent et ruisselèrent sur ses épaules. Et il eut devant lui sa fiancée bien-aimée. Et lorsqu'elle eut lavé la suie de son visage et la cendre de ses mains, il n'y avait pas sur terre plus belle princesse. Le cuisinier fut récompensé, les noces furent célébrées, et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort.